Hello, salut Raoul, comment ça va? Hey Raoul, as-tu un 2 minutes à m'accorder? Tu vas me dire s'il y a des lags ou non pendant que je fais certaines choses. Je suis en train de tester mon nouveau setup. J'ai fait des switches un peu dans Streamlabs. Oui, ça va bien. Là, on va tester s'il y a encore des lags ou non. Hey, puis là, j'ai de quoi dans l'œil, là? Ça me gosse. Ok, bon. Je vais voir un changement de scène first. Tu me diras s'il y a des lags. Parce que ça avait tendance déjà à laguer des fois avec la capture card. Puis, en ouvrant ça, j'ouvrais une page internet. Tu me diras s'il y a encore des lags aussi. S'il y a un quelconque lag, tu me le diras. Pas pour là. Tout va bien. Normalement, ça laguait quand j'ouvrais des pages internet. Puis là, je viens d'en ouvrir. Là, je suis en train de gosser sur internet. Fait que ça veut dire que... Fini les lags! Fini le stream de pauvre! Ça, c'est hot! C'est une des raisons pourquoi je voulais upgrader mon ordi. J'étais tannée des estis de lags, de genre pas être capable d'ouvrir une page internet avec ma capture card en même temps. Fait que je vais pouvoir laisser mon gestionnaire de stream ouvert à cette heure. Ça, c'est vraiment nice. Fait que si j'ai besoin d'effacer des messages ou quelque chose, ça va se faire super rapidement sans avoir à laguer ou quoi que ce soit. Ça, je vais le laisser là. KD 2.0. Il me manque juste la carte graphique à recevoir, mais ça, on s'en fout, là. La majorité des jeux que j'ai, c'est sur console, là. Ça va me permettre, justement, de jouer à d'autres jeux sur PC, des fois qui soient moins chers ou qui sont pas sur console. Puis, là, je suis en 1080p. J'ai aucune idée, Raoul. J'ai aucune idée. J'ai dit à mon frère de s'occuper de ça. Oh, faudrait que je lui demande. Ouais, c'est ça. Je suis en 1080p à cette heure au lieu de 720. Fait qu'on verra en jouant aussi s'il y a des lags. Et je pense qu'il devrait pas en avoir non plus parce que là, j'ai amélioré la sortie vidéo. 4090, c'est quoi ça? J'ai aucune idée, c'est quoi? Ah, tu pourrais me dire n'importe quoi, là, je pourrais te croire, mais pour vrai, j'en ai aucune idée, là. Faudrait que je lui demande puis qu'il me sorte les configs, là. Mais en tout cas, on va starter le jeu. Je sais qu'à un moment donné, j'avais déjà. Ah, oh, mon Dieu, que le son est fort! Je le sais que c'est censé être épeurant. Calmez-vous. Calmez-vous. voyons. J'avais essayé à un moment donné de streamer en 1080. Ça marchait quand que je streamais, mettons, sur des émulateurs ou tout ça, mais quand j'étais sur ma capture card, ça se mettait à laguer. Fait que là, on va voir, mais je pense que ça devrait pas laguer à cette heure. Non, ça a pas coûté 3000 pièces. Pas du tout. C'est qui va acheter, genre, juste la carte graphique à 3000? Fuck off, là. Rendu là, en tout cas, moi, je trouve que ça vaut pas la peine. Fait qu'en tout cas, on va jouer, puis si jamais les gens constatent des lags, d'habitude, on me le dit de toute façon, là, mais ça devrait être bon. Fait qu'on continue Amnesia aujourd'hui. Je sais pas si je vais être en mesure de le terminer. Ça va dépendre vraiment si je tourne en rond, là. J'ai tourné en rond pas mal la première fois. Parce qu'avec le jeu, j'ai aussi un DLC, Justine, qui est censé prendre environ 1 heure et quelques. Fait que si je le termine pas aujourd'hui, je vais voir, là, ça se peut que je le continue demain soir. Là. Ça va dépendre si j'ai envie de le continuer ou non, ou si j'attends la fin de semaine prochaine. Je verrai. Fait qu'on va continuer, lui. Reprendre la partie précédente. On va aller se promener dans le noir parce que ça risque d'être encore ça. Le son, est-ce qu'il est trop fort ou ça va? J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu trop fort, mais je suis pas sûre. Bon, ok. Les contrôles étaient pas trop compliqués, même si c'était un peu mal fait. Ça va bien, ok. Ici, j'ai une grande porte. Ça ne veut pas bouger. Oh. Ah, j'allais dire, il y a une échelle, mais non, il n'y a pas d'échelle. Ça sert à rien. Ah, voyons. J'ai pas l'air d'avoir rien ici. Mais ouais, je suis contente d'arrêter de laguer pour mon ordi. Ça va vraiment être hot.
encore de l'eau pour pouvoir traverser sans risque. Pour entrer dans l'égout, il doit d'abord être vidé. Faut que je vide l'égout. Il doit y avoir de quoi à trouver ici. Ça, c'est de là que j'arrive. Je veux pas y retourner. Ah, il y a une manivelle ici. Le levier est bloqué. Il faut graisser ses engrenages. Ils sont où les engrenages? Puis avec quelle graisse tu veux bien que je fasse ça? On dirait qu'il y a une porte par en haut. Mais je vais là comment? Je suis pas Spider-Man, là. En tout cas, pas encore. Ça, je peux pas me rendre là. Comme pas trop sûr. Hein? Est-ce qu'ils vont me faire retourner en arrière? Je peux pas croire. Parce que de toute manière, quand je suis partie de l'autre place, j'ai comme mis de l'acide sur un cadenas, puis c'était comme pas mal ma seule issue. Est-ce que je peux retourner de l'autre côté? Ouais, ok. Bon, ça enlève la possibilité. C'est ce que je me disais aussi, ça aurait été très étrange. C'est juste un escalier. Ça, il y a de l'eau. Je peux pas aller là. Je vois vraiment rien ici. Ok, t'as peur. Il y a de quoi je vois pas dans la grande pièce, là. Oh! Ah! Un récipient est nécessaire pour transporter l'huile. C'est de l'huile, ça? Fiole en verre. Pourquoi tantôt je pouvais pas l'utiliser? Ah, peut-être parce que j'avais pas touché l'engrenage, genre. Ça m'étonnerait pas, ça. Elle est couverte d'huile. Là, ça a-tu marché? Ok. Elle est couverte, elle est remplie d'huile, peut-être? Fait que là, est-ce que je peux sacrer ça là-dessus? Ah! Un tuyau cassé bloque l'échelle. Il a été néanmoins un peu endommagé pendant l'impact. Est-ce que je peux la péter avec ça? Non. Est-ce que je peux utiliser peut-être un truc à tirer? Non? Attends un peu. Peut-être qu'il était mal tiré, je sais pas, là. Pète ici! Pète! Est-ce qu'il faut que je vise l'échelle? Il veut rien savoir! Attends un peu, je peux-tu lancer de quoi de plus lourd? C'est pas mal toute la même affaire. C'est une énigme, mais ouais. C'est une énigme pas mal depuis le début dans ce jeu-là. On va essayer avec une roche au lieu d'une brique. I don't know, là. Il faut que je le pogne de côté. Hein? Ouais, c'est dessus. Hein? Ah, t'as peu. Faut peut-être que je le relève puis que je le re-swing. Ah, ok, j'ai compris.
dire soigner. Ah! Bon, donc là on peut grimper. Là, on s'en va là. Salle de contrôle. Merci pour le GG. Ça, ce genre de partie-là, ça a un monstre poche. J'aime bien ça. Mais j'aime pas quand que, genre, il y a un monstre random. Ça c'est la partie que j'aime moins. Genre, un jeu d'énigmes sans monstre, je pense que ça m'intéresserait plus que ça. How did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Ouais, mais c'est ça, c'est même pas épeurant. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient pas ça, mais j'ai pas trouvé ça vraiment épeurant, j'ai juste trouvé ça chiant. Si j'ai des valves, il est bloqué dans sa position. Ils sont toutes pareilles. Si j'ai un tuyau. Hey, salut mademoiselle Lily, comment ça va? Bon matin. C'est vrai qu'on est encore le matin. C'est quoi ça? Je suis pas trop sûre. Il y a ça ici que je peux prendre. Peut-être qu'il va falloir que je le raccorde quelque part. J'arrive de là. Ça, c'est pas une note que je peux lire. Moi, ça va bien, ça va bien. Ici, je peux-tu les tourner? Ah! Ah! Ça fait bouger ces trucs-là? Je sais pas à quoi ça peut servir. Hein? J'en ai comme trois. Tant que je les monte toutes, voir si ça fait de quoi de différent. Ouais, c'est classé en horreur. Personnellement, je trouve pas ça vraiment épeurant. Ça peut être plus stressant pour certains joueurs. Mais c'est pas si pire. J'étais à peu près à moitié du jeu, puis j'ai pas trouvé ça tant pire que ça. C'est juste un peu tannant, parce que par moment, t'as un espèce de monstre, des fois, qui peut te poursuivre, puis là, faut que tu te caches. Faut que tu fasses attention aussi parce que si tu restes trop longtemps dans le noir, ta santé mentale diminue puis ça peut te tuer aussi. Fait que c'est un petit peu survival par moment. Okay. Fait que j'ai une patente avec trois trucs que je peux soit mettre en bas ou en haut. De l'autre côté, il y a la même affaire, mais je peux pas les virer. Ah, ça c'est pour la porte. Là, je vais-tu pouvoir revenir? Attends un peu. Est-ce que je peux la coincer, la porte? Oh. Je pourrais peut-être la laisser ouverte, genre. Mettons que j'en mets deux, ça devrait être assez pour me faufiler. C'est une bonne idée de faire ça ou non? Oh, non. Attends, je vais laisser ça comme ça. Je suis comme pas sûre si je peux revenir sinon.
Ben, c'est correct, là. C'est un bon petit jeu, là. Ça reste un jeu qui date, là. Ça fait quand même, je pense, plus d'une dizaine d'années qu'il est sorti, mais il est correct. Salut Steph, salut Ripa, comment ça va? Moi, ça va bien. Mais il y a des passages que j'ai trouvé un peu chiants. Les passages que j'étais dans le noir, puis que je savais pas quoi faire, puis que je commençais à manquer d'huile, là. Je commençais à trouver ça tannant parce que là, j'étais comme, c'est quoi qui va se passer si j'ai plus d'huile? Manivelle en bois. Probablement qu'il faut que je trouve où l'utiliser. Pour l'instant, ce passage-là semble pas avoir le monstre. Mais c'est quand même bien éclairé ici. Tu gères les coups de soleil, t'as pogné ça où? Salut Sunwalise, comment ça va? Show de Xbox bientôt pour annoncer les prochains jeux, ça? Merci Sigong de ta contribution au défi Survival et Red Dead Revolver. Merci Raoul de ta contribution au défi Survival. Tu jouais à ça pendant tes pauses au Cégep, ça te rajeunit pas? Ouais, mais c'est ça que je disais, c'est quand même un jeu qui date, hein? Je sais pas quelle année exactement il est sorti, mais je pense que ça fait plus de 10 ans au moins, là. Voir beaucoup de jeux sur Game Pass, ok. Ah, oh, au Festival du Lac à Granby. C'était-tu de la musique, ça? Des shows de musique, probablement? J'ai aucune idée de ce que je fais. Genre. Faut peut-être que je l'enfonce? Je pense que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ça s'est mis à bouger et à faire du bruit. 2011, ok, ça date. Une quinzaine de bands style hardcore. La tête d'affiche, c'était Killswitch Engage, je connais même pas. Mais si c'est un groupe de musique plus récent, là, je connais vraiment pas ça. Septembre 2010, ok, bon, mais ben, ça date quand même de 13 ans, là. Merci Steph de ta contribution au défi Survival. Fait que là, j'ai fait fonctionner je sais pas quoi. On va voir si ça a changé quelque chose, là. On doit passer dans les tuyaux. Là, on dirait des tuyaux à vapeur. Merci Raoul de ta contribution au défi Red Dead Revolver. Ça va être drôle de jouer à ça, là. Je risque de sacrer. Ça a l'air difficile. Ben, difficile pour l'époque, là. Dans le sens que c'est un vieux jeu. Ah, je pensais que c'était un coffre, non. Y a rien ici. Ah, oh, là, je suis comme faut-tu tout, je déplace les boîtes pour vérifier s'il n'y a pas de quoi de cacher. Je vois pas. Il y a des A. Il y a un rouage avec une planche de bois. Je suis censée me faire une pyramide pour monter là. C'est où en esti? En 99. Ok, c'est pas un truc récent. Mais ça me dit vraiment rien pour vrai. Mais je suis pas. Je l'ai déjà dit, hein. Moi, genre, j'écoute de la musique. J'enjoye la musique. Mais à savoir c'est quel groupe, tout ça, souvent, je m'en tape un peu, là. Oh, Holy Diver? Non, ça je connais pas. C'est quelle sorte de jeu? Il y a de quoi ici? Je sais pas, là. Pour l'instant, je vois pas trop qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette pièce-là. On va aller voir, là. Ça, c'est une autre pinouche. Ah, un autre tuyau comme ça. C'est le troisième, je vois. Machine! Oh, ils vont peut-être m'expliquer qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec. C'est une de leurs plus connues. Pas un jeu. Ok. Holy Diver, c'est une musique. Non, mais pour de vrai, parlez-moi pas de musique, hein. Zéro pin barre. J'ai aucune connaissance générale en matière de groupe ou de musique. Ça sert à rien.
Ils ont starté avec ma curse hier, ça a commencé fort. Ok. Ok, machine, 13 janvier 1799. Je crois qu'aucun homme ne peut égaler le travail et la foi que j'ai investi dans cette machine. Des générations d'hommes sont morts depuis ma première tentative de reconstruction du plan que j'ai trouvé près du chevalet en bois. Les limites de ce monde ont rendu mon travail incroyablement plus difficile et m'ont forcé à concevoir une chose presque 100 fois plus grande que la délicate machine qu'elle essaye d'émuler. Sans compter le flux contrôlé d'éclairs substitué de façon rudimentaire par de la pression de vapeur frayant son chemin à travers des tuyaux et des turbines. J'ai honte à l'idée d'imaginer ce que son inventeur pourrait penser de mon monstre. Là où il travaille avec une loupe pour fixer avec précaution toutes les parties, j'ai poussé cinq hommes à ériger une tour en fer forgé dans l'espoir qu'elle dispose d'une partie même infime du pouvoir trouvé dans le médaillon d'un voyageur. Qu'est-ce que c'est ça? Évidemment, ça m'explique fuck all de qu'est-ce qu'il faut que je fasse. En tout cas, si c'est censé être un indice, je le comprends pas. Là, ici, j'ai la même sorte de turbine de l'autre côté, mais lui, il est déjà comme enclenché. Fait que là, je me dis, faut que je le laisse comme ça? Ah, ok, il est bloqué. Je vais quand même toutes les tester pour être sûr, là. Ok, fait que ça, il reste comme ça. Genre, il est déjà correct. C'était peut-être pour me dire, genre, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec, avec l'autre barre, je sais pas. Ça, j'ai vraiment l'impression que je vais devoir les utiliser. Je sais pas trop où, par contre. C'est comme, je pense que c'est la troisième pièce que je trouve comme ça. Je vais la laisser là. Est-ce que de ce côté-là, il y avait des trucs que j'aurais pu utiliser ces tuyaux-là? Ah, ici! Peut-être qu'il faut que je bouche ces trous-là. Ah, je pense que c'est ça. Salut, Varadar, comment ça va? Genkidesu. Ok, on va aller poser ça sur le mur. Tu veux une carte de clos? Attends un peu. Je vais checker voir si. Ok, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Bon, Varador, une carte de clos. Hey, vous remarquerez, là, normalement, à cette heure, quand je fais des changements de scène ou quand j'ouvre une page Internet ou peu importe, il n'est plus censé avoir aucun lag sur le stream. J'ai reçu mon nouveau CPU, motherboard et ma nouvelle RAM hier. Il me manque la carte graphique, mais ça, on s'en fout. C'est pas l'important en ce moment. Fait que c'est ça. Ça arrête de laguer. Comme je dis, j'ai arrêté d'avoir un stream de pauvre. Ça a pas buggé. J'ai aussi à ça, je peux streamer en 1080p au lieu de 720p. Fait que c'est hot. Parce qu'avant, je pouvais pas, ça se mettait à laguer. Oh, ça faisait vraiment longtemps, je me disais que je voulais genre investir dans l'ordi. C'est pas parce que je manquais les moyens, c'est parce que j'étais fucking lâche. Puis j'avais peur de devoir tout en réinstaller mes trucs, mais hier, mon frère m'a twitché ça un peu, m'a gossé un peu. Puis j'ai pas eu besoin de rien réinstaller. La joie! On a ouvert, il a gossé quelques patentes, ça l'a réouvert tous mes trucs, on a remis la clé Windows, il l'a accepté. Fait que merci, bonsoir, Esti. Même pas besoin de réinstaller mes affaires. Stream de pauvre, oui. Là, je disais souvent ça parce que ça laguait avec les trucs. Mais j'avais un ordi quand même bien pour ce que j'avais besoin de faire, mais c'était pas un ordinateur pour streamer, là. Fait que. Mais ça, il manque la carte graphique qui va être reçue dans les prochains jours, mais ça, c'est pas urgent. La majorité des jeux que je joue, c'est sur ma capture card. Fait que ça va juste me permettre justement de jouer à des jeux PC sans que ça lague aussi. Merci beaucoup pour le follow, Shroom. Bienvenue sur le channel. Comment ça va? As-tu essayé d'encode avec la carte graphique et tout, de encode? Qu'est-ce que tu veux dire? Allô, Shroom. Bienvenue. Comment ça va? Est-ce que tu connais Amnesia? Sinon, quelle sorte de jeu t'aimes jouer ou regarder? Fait que là, Varador a demandé une carte de clos parce qu'il veut que je lise son futur, même si, comme je dis, fiez-vous pas à ça pour bâtir votre vie, s'il vous plaît.
Avec la carte d'aujourd'hui pour Monsieur Varador. Hey, une nouvelle carte. The Shot. The Arrow, je pense, c'est ça? Je crois que c'est. Non, The Shot. Pas là, c'est une carte super violente dans les Sakura. On va aller lire ce que ça dit. Non, c'est pas la même carte, c'est une nouvelle carte. Elder Scrolls 6. C'est quoi ça, Raoul? Tu connais très fan de jeux d'horreur pour vrai? Est-ce que tu as joué aux autres Amnésias? Là, je suis le premier. J'avais jamais joué à ça avant. C'est correct. C'est pas tant épeurant, par contre, j'ai trouvé. Bon, on va aller lire la carte Shot. C'est la carte du tir en français. Avec ton CPU, ça va laguer, OK. C'est ta carte graphique qui gère le. Ouais, mais justement, j'ai changé mon CPU, mais j'avais pas une carte graphique de fou, elle que j'ai en ce moment, en fait, que je vais changer, là. Non, faut pas que tu battes ta femme. Ça doit tirer ma femme. Mais qu'est-ce que c'est ça? Un sixième Elder Scroll comme Skyrim. Ah, OK, tu es en train de regarder le truc d'Xbox, Raoul? Tu préfères regarder d'autres mondes jouer, t'as pas de patience. Je comprends ça, Shroom, je comprends ça. Ah. Bon, je vais lire la carte d'eShop. La carte du tir est aussi déterminée que la furie, aussi précise que la flèche, mais possède la violence du feu et devient souvent débordement et excès au quotidien. Le tir sait ce qu'il veut, est prêt à tout pour l'avoir, ne fera aucun compromis et chassera de sa vie tous les éléments qui tenteront de l'en empêcher. Carte des gens déterminés, obstinés, souvent têtus, mais ayant mérité leur succès, le tir vous fait profiter de son acuité et de son dynamisme insatiable. Mal aspecté, le tir peut devenir brutalité, violence, incite à brûler les étapes, à ne prendre aucun gant et à souvent évincer des personnes pourtant bien intentionnées à votre égard. Crime, c'est une carte agressive. T'es-tu agressif aujourd'hui, au radar? Oh. C'est le pré-show qui montre des teasers que j'avais jamais vu. Ah, ok, je comprends. Ça avait déjà été tease, ok. Tu dois agresser les gens. Non, Varador, c'est pas une bonne idée d'agresser les gens. S'il vous plaît. Ah, oh, si. Mais on l'avait jamais pigé, cette carte-là, avant. Fait que c'était ça, la carte pour aujourd'hui, Varador. À grands coups sur le bord des genoux. Calique. Soyez pas agressifs, s'il vous plaît. On va revenir au jeu. Et voilà. Fait que là, ça n'a pas lagué du tout, là, vous me dites, depuis tantôt. Moi, je suis comme, ouais, tout va bien. Si la gendarmerie demande, tu dis que c'est Kaidé. Non, OK. Ah, ça, c'est hot. Fait que c'était vraiment le CPU, mon problème, la raison pourquoi ça laguait quand que je faisais des affaires de même. Le CPU, avec ma carte graphique, il roulait à côté, là. Il était comme proche du sang, puis c'est ça. Fait qu'à ce temps, avec mon nouveau CPU, ben, ça va bien. Salut, Watch, comment ça va? Moi, ça va bien. Bon, fait que là, il me faut encore probablement un, deux, trois autres tuyaux. Là, j'en avais spoté au moins deux, me semble. Me semble. Y en avait-tu un, là? Je vais aller vérifier. Je pense que non. Je vais quand même faire le tour, là. Ben, c'est la carte graphique n'est pas changée. J'ai encore ma vieille en ce moment, mais j'ai aucune idée, Steph. Je ne connais fuck all en ordinateur. C'est mon frère qui m'a tout acheté ça et patenté ça parce que lui, il se connaît là-dedans. Fait que malheureusement, je peux pas vous dire ça. Oui, ben, j'ai ça. J'ai reçu mon nouveau CPU, ma nouvelle motherboard, puis ma nouvelle RAM. Il me manque juste la carte graphique que je vais recevoir dans les prochains jours. Mais ça me permet justement de streamer avec ma capture card sans que ça lag comme avant. Fait que c'est nice, puis j'ai pas eu besoin de rien réinstaller, ça c'est le principal. C'est que ça m'écœurait tellement de devoir justement remettre mes affaires puis tout, là, mais j'ai pas eu besoin de rien faire. Oh non! Non! Tape. Parce que je comprends pas comment je vais faire pour revenir, sinon. Peut-être une manivelle de l'autre sens, là, mais en même temps, c'est moins de la marde. Et voilà. Y a-t-il une manivelle à l'autre côté? Ah, oh, il y a une manivelle, mais je m'en calisse, c'est moins de la marde. Et voilà.
T'as pas un ordi en haut et ta carte c'est une 1650. Vu que ta carte gère le stream est sur console avec la capture card, ça fait la job, ok. Fait que t'as pas tenté ça, justement. Amnesia, c'est correct, watch. C'est pas épeurant. C'est le fun côté ambiance, énigme. J'ai pas aimé beaucoup, par exemple, certaines parties. T'as des parties que t'es vraiment dans le noir. Puis là, faut que tu te dépêches de trouver qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, sinon tu manques d'huile. Ça m'a vraiment fait chier, là. Mais sinon, ça va, là. Les parties, genre, que je suis là à gérer mon huile, là, j'aime vraiment pas ça. Comme là, en ce moment, ça va. C'est quand même éclairé. J'ai même pas de monstre en ce moment. Il y en avait un de l'autre côté, je pense. Mais c'est sûr que c'est pas un jeu d'horreur à tout casser. Là. Ça m'arrive de temps en temps, Shroom, de faire des jeux d'horreur. C'est pas qu'est-ce que je fais le plus souvent sur le channel. En fait, je fais un peu n'importe quoi. Ça peut te donner une idée. Ça, c'est la liste des jeux qui ont été faits en stream. Il y a quelques jeux d'horreur. J'ai fait les Layers of Fear 1 et 2. J'ai fait des Silent Hill, Resident Evil, Evil Within, plus des Survival. J'ai fait à Dead of Night, qui est peut-être moins connu dans le style. Fait que là, il m'en manquerait un, je pense. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a un que je peux mettre au milieu. Mais ça arrive de temps en temps. Mais je fais vraiment un peu de tout sur le channel, pour vrai. Il était bon, Banjo sur Game Boy Advance. Pour vrai, j'ai été surprise. J'ai beaucoup aimé ça. C'était excellent, en fait. Si t'as aimé les deux autres Banjo, j'ai beaucoup aimé lui sur Game Boy Advance. Moi, je sais que... Je comprends, Watch, qu'on peut le trouver boring, effectivement. Malgré que le début est un peu lent, mais il y a certaines parties, je trouve, qui en valent plus la peine. Mais c'est quand même pas un jeu court non plus, Amnesia. C'est au moins... Moi, je pense que je vais le faire peut-être en 10 heures, c'est pas plus. Il y a des parties qui sont plus le fun que les autres. Là, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Ça bouge-tu à cette heure? Bon, ça bouge pas. James Bond était très pas bon. C'est le seul jeu que j'ai abandonné Varadar sur le channel. C'était vraiment plate. La Dead of Night, il était bon. Il était un peu sacrant par moment, là, avec le style Jimmy à marde, là. Mais il était quand même bien pour le style, là. C'était quand même spécial. Ah, ben oui, en horreur, j'ai aussi fait les Dark Pictures, là, même si je trouve pas ça full épeurant non plus, là. Les Dark Pictures, Until Dawn, puis The Quarry, là. Il n'y a vraiment rien ici. Ça, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse avec ça. Genre... Veux-tu que je les descende toutes? Je les avais toutes montées. Peut-être qu'ils veulent que je les descende. Oh, attends un peu. Est-ce qu'il voudrait que je fasse la même chose que de l'autre côté? Peut-être qu'il faut que je copie de l'autre côté. Dans l'autre salle, c'était ça, justement. Parce que ici, c'est bloqué. Écrime, faut-tu que je les mette à peu près? Je sais vraiment pas. Hey, salut Kaguya, comment ça va? Oui, je me rappelle que t'avais bien aimé At Dead of Night. Zwei, The Arch Adventure. Non, je connais pas ça, Steph. C'est quelle sorte de jeu? Moi, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je fasse la même affaire. Hey, mais j'ai tellement pas de bonne mémoire pour ça. On va commencer. Bon, à gauche. Il est un petit peu élevé au sol, pas beaucoup.
Je vais en faire un à la fois là parce que sinon ça marchera pas mon affaire. Genre comme ça à peu près. Lui ici, c'est lui qui est le plus élevé. Il est un peu plus haut que le tuyau. Pas vraiment de tuyau ici, mais. Comme ça. Ça a comme fait un clic où c'est moi qui rêve. Puis lui, il est un peu entre les deux, un peu plus bas que lui au milieu. Ça a fait un clic, hein? Ah! Fait que c'était vraiment ça. Puis là, ça allait activer une machine. Je sais pas ce que je fais. J'aimerais bien te répondre, mais je le sais pas. Action RPG Kyo. Je joue pas beaucoup à des RPG. C'est assez rare. Ça arrive, mais c'est plus rare. Eh hey, mais merci de passer, Shroom. Bonne journée à toi. Fait que là, j'ai activé ça. Est-ce que ça a changé de quoi de l'autre côté? J'ai vraiment l'impression qu'il manque encore un tuyau. Mais je suis pas certaine. Genre un tuyau au milieu, là. Je peux les enlever. Ah! Faut prendre que je fasse comme de l'autre côté. Comme ça. Mais je pense qu'il va m'en manquer un pareil, hein. What the fuck? C'était pas le même pantoute qui était, mais ça semble avoir marché. Ok. Là, ça fait quoi? Ah, c'est vrai, faut que je ressorte parce que ça va avoir vidé l'eau dans le fond. En tout cas, avec la musique, ça semble avoir fonctionné. Mais je suis pas sûre de catcher l'histoire des tuyaux, là. On va aller voir. Fait que là, ça l'a probablement drainé l'eau. Pas drainer l'eau pantoute. Pourquoi ça a fait une musique d'abord? Attends un peu. Pour entrer dans l'égout, il doit d'abord être vidé. Y a-t-il d'autres choses qu'il faut que je fasse ici? Ça s'ouvre toujours pas. Je suis peut-être partie trop vite finalement. Ça, c'était pour l'échelle. Le graphisme PS2. J'étais pas sorti sur PS2 ça à l'époque là. C'est sûr que c'est pas le jeu de l'année là. Tantôt il y a quelqu'un qui me l'a dit, c'est sorti en 2010 là, mais c'est pas PS2. Je suis pas sûre là. Ah! Si, il y a une manivelle ici. J'avais pas vu pantoute. Ah! Ça va me permettre d'aller à l'autre porte. Ok. Prends que c'était pour faire fonctionner la manivelle. Allez, tout ça pour ça. J'en ai un autre de l'autre côté. Ah, ok. Oh. Il descend pas plus, lui? Le pont est bloqué, il aura besoin d'une poussée pour le déplacer. Ok. Bon, on va commencer par la gauche, là. Pour pousser.
d'avoir. Cette partie-là me fait penser un peu aux jeux comme Myst ou Riven ou des trucs du genre, là. Conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like the water mill. Exactly. Avec les maudits flashbacks, question de nous aveugler les yeux bien comme il faut. Là, ici, va-tu avoir une bibitte dans l'eau? Pour l'instant, semble pas de bibitte dans l'eau. La bibitte qui était pas épeurante parce qu'elle est invisible. Oh! Ça, y a rien ici. Mais je sais que Amnesia, il y a une version modée par les fans qui est plus cute là, pour lui que j'étais en train de jouer là, sur PC. Là. Mais en même temps, j'aime bien jouer aux versions originales des jeux de la manière qu'ils ont été conçus, je dois dire. Une valve là-bas. Là, on est dans la partie plateforme du jeu. C'est tellement plaisant de la plateforme. Ah! Je pense que le monstre invisible est revenu. Je sais pas ce que j'ai fait. Probablement que je devrais toutes les faire éventuellement. J'ai déjà le 2 et le 3. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground. Where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Ok. Bon, j'ai l'impression que la bête de l'eau est revenue, là. On va essayer de pas trop toucher à l'eau. Mais ouais, c'est ça, j'ai déjà Amnesia le deuxième puis le troisième. Fait que ça se peut... Ben, en fait, je devrais les faire éventuellement, mais probablement pas tout de suite. J'aime pas ça, faire des jeux genre la même série comme de suite, là. Sinon, ça m'écœure trop, là. Fait que j'aime bien alterner. L'eau a lentement commencé à remplir la chambre. OK. Là, la lumière est partie, bien évidemment. Pas je reste dans le noir trop longtemps, sinon il va virer fou. Ah, ça. Bon. Ah, finalement, il n'y a rien qui me poursuit. On va aller à côté de la lumière, là, parce que je suis en train de virer fou. Là. Voici la lumière.
J'haïs ça. Genre, de gérer voyons, l'état mental de mon bonhomme comme ça, là. C'est comme, arrête, là. C'est juste un peu de noirceur, là. Vire pas fou. C'est attaché à une chaîne rouillée au plafond, j'avais remarqué. Ok. Notice me, senpai! Je watch ou Raoul qui veut me faire peur, cela, là. J'allais voir là-bas, je pense. Ça va-tu me faire mal? Ah! Faut... Bo, ok. Faut que je me dépêche. Là, attends un peu, là, mon état de santé. Une blessure saigne gravement, ouais. On va se soigner un peu. Ok. Is that all you have? Derrière toi, ouais, c'est ça. Essaye pas, Watch, essaye pas. Ok, ça, ça a arrêté de faire chier. Ok. On va les enlever. Comme ça, ça devrait arrêter de me faire mal. Mais tu t'étais rendu jusqu'où, Watch? Tu t'en souviens-tu? Il y a comme une semi-bite ou je sais pas quoi, là. 8 August 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying. But Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Genre, ils ont mis tache rouge à la place. Ok, après 1h30, tu devais pas mal être encore dans la première partie, tu te faisais chier. Mais la première partie, il se passe pas grand chose, il y a même pas d'énigme. Tu veux juste te promener pis c'est tout, là. Je me demande si je pense que t'as même pas rencontré le monstre après 1h30. Là, clairement, faut que je fasse ça. Puis là, ça fait chier parce que ça enlève les lumières. Là, mon bonhomme, il a peur tout seul dans le noir parce qu'il est con. Oui, j'ai des jugements un peu, là. Genre, arrête de paniquer, là. Là, il reste cette partie-là que je sais pas trop quoi faire avec la chaîne. On va rester à côté de la lumière. J'ai une manivelle pour une machine. Je pense pas, je sais pas trop que ça va être utilisable, ça. Est-ce qu'il faut que je me rende dans l'eau, ici? Je vois pas trop ce que je peux grimper, je veux pas me ficher à l'eau pour rien. Ça, ça semble pas déboucher non plus là-bas, mais je pourrais aller voir. Salut Revex, comment ça va? Bon, ben au pire, on va crever. Non, y'a rien. Est-ce que je peux grimper là-dessus? Yahaha! La dernière place qui me reste à aller, mais il y en a une petite chaîne. Là.
Odin's Sphere, ça se peut. Mais je dois dire, Steph, j'ai déjà une liste assez pas pire de jeux à faire éventuellement. C'est un peu difficile pour moi d'en rajouter. Splou... Oh mon dieu, Splouche, ça c'est dans Wind Waker. Qu'il y avait de quoi à faire avec le truc là-bas. C'est de la faute à Raoul, ouais, c'est dans Wind Waker, ça. J'avais fait Wind Waker à 100%, puis fallait que je me fasse chier avec ce bonhomme-là, justement. Ça, c'est pour revenir au début. Là, j'ai pas fini ce qu'il y a à faire ici. Ah, t'as peu... Je sais vraiment pas, là. Dans le doute, tirer une roche. Carlis. LOL! Ah! Oh. Tu passes? Ouais. Obligé de se lever très tôt pour me voir. Ben là, ça arrive souvent les week-ends que je stream de jour. 9 August 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Une liste de jeux que tu veux faire? Non, j'ai comme pas... C'est sûr que sur mon backlog, je mets les jeux qui sont prévus prochainement. Là. Prochainement est un grand mot. Là. Ça se peut que ça prenne quelques mois pour certains. Mais sont surtout sur une liste Excel de mon côté pour certaines choses. Et il y a aussi le fait que j'ai plusieurs jeux achetés sur Steam et sur console que je n'ai pas joué. Quand ça bloque à la caisse du magasin, je penserai à la roche exacte, Varadar. Dans le doute, tirer une roche. Bon, ça va-tu faire apparaître un monstre, là? Maître des eaux! Arrête de paniquer, il y a de la lumière. Calme-toi, petit monsieur. Et là, faut-tu que je m'en aille ou que j'aille de... dans cette partie-là? Là, je pense que le monstre est arrivé. Hooray! Mais je pense que je peux m'en aller, là. Ouais, ça veut dire que je peux m'en aller. Je partage mon Excel. Ben, mon Excel, c'est vraiment une liste plus des jeux, en fait, que j'ai déjà starté. Genre, tous les jeux que j'ai... Les séries que j'ai pu commencer en live, que je veux terminer, en fait.
Est-ce que ça va avoir vidé l'eau en bas? Je vais aller vérifier. Je pense que oui, parce que ça, c'est plus marqué le fait qu'il faut que je vide le réservoir. Yes, il n'y a plus d'eau. On peut aller se promener dans le noir maintenant. Ah, c'est un gaz toxique. C'est quoi ça? Continue plus loin sans vaccin. Un vaccin? Fuck, 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 fuck. Puis je suis censée trouver ça où? Un vaccin ici? What the fuck? C'est quoi ça? Oh! Là, je fais quoi? Trouver un vaccin pour traverser sans risque les égouts. Ça veut dire qu'il faut que je fasse tomber ça? Tire une... Ouais, c'est ça que j'étais en train de me dire, de tirer une roche Varadar. Mais là, est-ce que je peux amener une roche? Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Aïe, tabarnak! Pourquoi mon bonhomme s'est pitché en bas tout seul? Elle l'atteint pas. Je vais faire attention en montant. Si, il s'est mis à se promener tout croche. Là, mon état de santé, ça va pas bien mon affaire, hein? Ça dit, il aura besoin d'une poussée. Est-ce que c'est la manivelle qui est bloquée? Non. Ça, ça fait quoi? Je sais toujours pas à quoi ça sert. J'ai rien pour pouvoir tirer ici. Oui, toutes les autres Yakuza, y compris les spin-offs, vont éventuellement être faits en live. Hein. Allez, accroche-toi! Je ne sais pas. Hey, ça m'aide tellement pas, là, un vaccin. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'aille à cette porte-là. Mais là, c'est ça ici que je sais pas comment faire descendre. Moi, j'ai vu, Steph, il est prévu pour d'ici la fin de l'année, là. Mais je suis pas rendue à faire celui-là tout de suite. J'en ai une couple à faire avant. C'est vraiment trop haut. Est-ce que... Puis là, je peux pas... Je peux pas monter l'échelle avec une roche, je pense. Non, c'est ça. C'est le même bouton pour... Non, ça marche pas. Ah, oh, peut-être. Je vais essayer, Varadar. J'ai pas essayé. Dead Soul, je voudrais le faire, oui. Non, ça marche pas. Oh! Ah, oui! Après 20 ans. J'ai tellement pas pensé à ça. On va attendre, là. Je sais pas si c'est ça ou non, là. Non, il est vraiment bloqué. Poussé. Qu'est-ce que je fasse? Je peux pas le pousser, il est trop haut. Puis je peux pas dire, genre, que faut que je me dépêche d'aller... Attends un peu. Je vais essayer quelque chose. Est-ce que c'est broche à point si c'est ça? Hey, Chris, que c'est broche à point en tabarnak. Je trouve que c'est une mauvaise idée.
Ça va blesser mon bonhomme, ça. Ah oui. Puis là, j'ai plus rien pour me soigner. Je vais bientôt crever. Oh, la morgue. Ça a l'air plaisant, ça. Merci pour le GG. Hein, c'est pas ça me fait chier. J'ai même plus de potions d'énergie, genre j'ai rien. Je manque de ressources. Ah. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has. For now. Come. Let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. 3h du matin, Krim, tu t'es levé à quelle heure, Révette? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Du coup, je suis au bon endroit, ouais. Je suis déjà à la morgue, c'est vrai qu'effectivement, c'est une bonne vision de la chose. Tu viens de te lever, ok. Puis tu vas pas te recoucher, non? Voyons, il y a dormant des flashbacks ici. 3 days now. This is ridiculous. Why doesn't someone go to this room? Hey! Anybody! Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, I'll wake from this nightmare. If not, I pray my heavenly father will take me in my sleep. Tube de cuivre. Oh, ça c'est pour me soigner. Ok, je suis correct. Au moins, j'en ai un d'espoir pour l'instant. Ça, il sert à quoi le tube de cuivre? Un tube de cuivre fin. Le tube de cuivre fin trouvé dans la morgue ressemble à une pièce d'un outil chirurgical. Ok, on va peut-être devoir assembler quelque chose. Là, il y a encore des coquerelles qui font des bruits de serpents. J'ai jamais trop compris le trip là-dedans, pour vrai. Genre, pourquoi vous faites des bruits de serpents? Toujours raide à cause de la rigidité cadavérique, il ne peut pas dater de plus d'un jour. De plus d'un jour? Fait qu'il est tout frais? C'est quoi, je vais devoir creuser dans le cadavre? Test de vaccination. Le vaccin permettant à mes hommes de travailler dans les égouts infestés de champignons est un succès sans précédent. Malheureusement, seulement quelques-uns des domestiques ont été guéris dans la mesure où le procédé s'est révélé difficile à réaliser. Les autres périront et je devrais par la suite en créer d'autres pour pouvoir continuer mes expériences. Remarquez qu'une injection de sang vacciné fonctionnera assez longtemps comme bouclier pour passer les égouts sans risque d'infection. Puis tu vas pogner le sida au travers de ça? Genre que... ça a tellement pas l'air viable comme solution, là. Ce serait parfait pour transporter les prisonniers. Ok. T'as à manger, c'est cool. Tu parles du cadavre, ça? En plus, il est frais, imagine. Oh yes, ça c'est de la vie, je pense. Oui, good.
Des allumettes. Qui ressemblent à toutes sauf des allumettes. Allez, décaler la chaise. Oh, c'est la deuxième fois que je pogne une boîte de même. Je parle pour Daniel. Il est impudent. Ce serait pas plutôt imprudent? Il y a vraiment des erreurs de traduction. Impudent, ça serait louche. Il est corrompu par l'ombre qui se rapproche et ne pourra pas passer la porte. Est-ce qu'au final, il pourra l'accepter? Mon amour, j'ai vu le mal en lui. Comment est-ce que je peux lui faire confiance en lui révélant la vérité? Quelle ironie cruelle de lui faire subir à son tour ce qu'Agrippa m'a fait subir. Ok. Puis là, je peux utiliser le tube direct dessus, je pense pas, là. Ça ne peut pas pénétrer le crâne, ok. Faut que je pénètre son crâne. Let's go, hein. Quelle bonne idée. Arc? D'autres cadavres. Des gens tout nus! Je pile dessus. Je suis désolée. Y'a rien à ramasser ici, non? Toi, je peux pas tirer, non? Il n'y a pas grand chose ici. On va aller voir l'autre pièce. Je pense que mon bonhomme aimait pas ça regarder les cadavres. Ici aussi, il y a juste des cadavres. J'avais pas vu ça ici. Début d'épidémie. Les morts étranges parmi les domestiques et les prisonniers ont finalement été résolus. Il semblerait que les égouts vidés qui ont récemment servi de moyen de transport soient infectés par un mycète toxique. Les victimes semblent avoir subi une contamination extrêmement rapide affectant tout leur corps. Plusieurs de mes hommes et moi ont par chance été épargnés par cette calamité, mais il est clair que ces événements mettent en péril mes progrès. Les prisonniers meurent rapidement et leur essence vitale contaminée ne me fournit pas l'énergie dont j'ai besoin. Je dois immédiatement commencer à travailler sur un vaccin. Ça me dit pas grand-chose. Un tuyau dans le cul, hein, c'est ce que là... J'ai l'impression qu'il faut que je la mange avec d'autres choses, le tuyau, mais je sais pas trop quoi, là. Ça se peut que ce soit un objet que j'ai pas trouvé, là. Il me semble, là, il y a plein de trucs ici qui sont possibles pour pénétrer le crâne, non? C'est pas des affaires que je peux utiliser. Ah, attends un peu! Est-ce que je peux... le combiner avec ça? Ah, c'est vrai. Ça fait longtemps que je l'avais trouvé, ça. Attends, je pense que je l'ai. Ben voyons, ça peut pas. Puis la manivelle? Perceuse manuelle. Ça? Non? Ah, finalement, c'était la perceuse. Elle n'est désormais plus utile. Pis là... Non? T'as un peu, là. Ça gicle de partout. Non? Ne peut pas être injecté. Ah, peut-être ça. Calique que je fais n'importe quoi, là. Pis là, je fais quoi avec ça? Pis là, je me pique. Hey, ça, c'est une bonne idée. Jette une pierre, ouais. Ça aurait été une bonne idée, ça aussi. Fait que là, je me suis vaccinée. S'il vous plaît, faites pas ça à la maison. C'est normal n'importe quoi. Oh mon dieu. Fait que là, ça, je peux pas les récupérer. Aucun besoin de réinjecter le sang. Garlis. Ok. Fait que là, I'm good to go. Let's go. Ah! On reste caché!
besoin. Ouais, c'est ça. Attends, je me vaccine. Est-ce que c'est con? Je sais pas s'il ouvre les portes pour de vrai. On va attendre, on va voir ce que ça fait. Parce que clairement, il est à côté, là. Peut-être qu'il est lui aussi est venu se vacciner. Je l'entends plus. Fait que si vous voulez utiliser un vaccin, vous savez quoi faire. C'est n'importe quoi. Fait que là, je vais pouvoir me promener au travers du gaz mortel louche. Bon, c'est bien ça. Là, calme-toi, là. On est à lumière, tout va bien. Pourquoi il voit brouille? Équilibre mental, trois petits points. Ben là, calme-toi, là. Dans une place safe. Normalement, il est censé se remettre pas mal sur lui. Ah, malgré qu'ils disent des fois, faut que je continue l'histoire pour remettre mon équilibre mental mieux. Ouais, c'est ça, exact, Varada. C'est peut-être le vaccin, finalement, le problème en ce moment. Et ça se pourrait, là. Ça avait l'air un peu louche, là, de la manière qu'on se l'est mis, là. Fait que là, on va dans les égouts. Ça a l'air intéressant, ça aussi, les égouts. Mais il a pas l'air de pouvoir ouvrir les portes, le monstre. Dans un jeu vidéo, stage unique, exact. C'est très original. C'est quoi ça? Ah, c'est des champignons. Des champignons bleus. Ok. Oh, c'est le monstre, il est là. Là, faut pas que je le regarde. Parce que quand je le regarde, mon bonhomme devient fou. Parti à droite. Voilà à gauche. Bon, encore un beau labyrinthe. Je vais tenir ma gauche pour l'instant. On verra ce que ça donne. Moi, ici, j'ai pas besoin d'une lumière, là. Ça, c'est de l'huile. Un, deux. J'ai petit, moyen ou grand dérouage. Les deux leviers commandent la machine brillante, j'ai cru deviner. Ouais, c'est un homme tout nu et un peu difforme. Il est pas effrayant, le monstre. C'est juste chiant pour eux. J'ai pas eu peur. Il y a pas 20 millions de combinaisons possibles. Fait que j'ai envie de toutes les essayer. Voir si ça fait quelque chose.
ça faisait plus de bruit à un certain moment, mais... Pour l'instant, je sais pas ce que ça fait. Y'a rien d'autre de caché qui peut être utile. Je peux-tu manger des champignons? Ils ont pas l'air bons. Ça, c'est une échelle qui est pétée. Je peux pas aller là. Ça, ça revient au début, je pense. Ouais. La machine bruyante, c'est en lien avec ça. Faut qu'il fasse le moins de bruit possible pour qu'il aille lentement. Mais je vais aller explorer cette partie-là, là, je l'ai pas faite. Le tuyau semble être desserré. Ben, il est pas desserré, il est percé ici. Tu dis de quoi? Ah oui, calme-toi les nerfs ici. J'ai pas vraiment grand-chose en ce moment qui serait utile. J'ai vraiment l'impression que la machine bruyante, j'ai pas remarqué à quelle vitesse ça allait ça, mais il faut peut-être que je m'arrange pour qu'il fasse le moins de bruit possible. Ça va peut-être faire que la patente qui tourne va moins vite. Je vais tester, je pense. Parce que là, je l'avais mis, je pense, au plus bruyant, en fait. On va essayer de voir qu'est-ce qui est le moins bruyant. Peut-être un qui arrête complètement. Oh! Ça, ça a l'air pas pire. Ça, ça leur part. Ça, ça leur part aussi. Je vais aller l'essayer, voir. Hey, salut Monsieur Beau, comment ça va? Là, on va voir s'il finit par ouvrir les portes ou non. Le monstre aussi, il apparaît seulement à des moments stratégiques du jeu. Il déambule pas random. Genre, une fois que t'as passé le moment stratégique, normalement, il est plus censé être là, genre. C'est ce que j'ai cru comprendre depuis le début, là. C'est pas comme s'il se promenait, il fait juste apparaître puis disparaître. Ça va bien, ça va bien. Puis t'es-tu content d'avoir fini la série Walking Dead?
On attend. Ça a l'air safe. Contrôle de merde. C'était des bons jeux, surtout la fin. Ouais, pour vrai, c'était très bon. T'avais-tu toutes fait d'autres jeux de cette compagnie-là? Là, je me rappelle plus du nom, là. Et ça a l'air encore rapide. Ah! Ok, non. Arrêtez la roue d'eau pour continuer sur votre chemin. Ouais, je pense que c'était pas correct, mon affaire. Il est moins rapide, mais il est encore rapide. Il faut que je l'arrête complètement. Je vais aller rejouer avec les patentes. Les autres intéressent moins. Moi, j'avais fait The Wolf Among Us de la même compagnie que j'avais trouvé excellent, là. Mais il y en a d'autres que j'aimerais peut-être éventuellement faire. Hey, salut Richard! Comment ça va? Hey, salut Punky pour le snack! Tu peux choisir le snack Punky si ça t'intéresse. Je pense que tu viens de mettre le lien. Puis salut Richard, merci pour le raid. On va te faire un beau shout-out à Richard. Comment ça va? Tu étais sur Diablo, j'ai vu. Ça a-tu bien été? Un beau shout-out à Richard. Oh, c'est Rocket League! What the fuck? Oh, faut que ça rentre, oui! Oh oui, ça c'était un but à clipper, ça aussi. C'est quoi ça? Avec la tornade! Il s'en faire un but de feu! Oui, j'ai pas touché à terre! Si. Un but d'air plus que de feu. Donc, allez voir Richard, c'est un pro joueur de Rocket League. Mais pour vrai, Richard, il est super sympathique, fait beaucoup de jeux avec sa communauté. Normalement, il fait une rotation sur 3 jeux les fins de semaine, pas mal tous des jeux de communauté. Alors, en ce moment, vous êtes sur Diablo 4, Red Dead Redemption Online, Red Dead Online, et Sea of Thieves encore, je crois. Puis sinon, il fait du Witcher pas mal en ce moment. Là, c'est quoi finalement le jeu de ce mois-ci? C'est un jeu survival, là. J'étais là quand il y a eu le tirage, mais je me rappelle plus. Mais bref, très sympathique. N'hésitez pas à aller voir si vous le connaissez pas. Ghana, Matcha, Truffle. C'est quel mois, Punky? Est-ce que tu sais le mois qui était marqué? Amnésia, je suis rendue un peu plus que la moitié du jeu. C'est pas épeurant, pour vrai. Je trouve ça moins épeurant que Layers of Fear. Je savais que j'allais trouver ça moins épeurant. Mais c'est pas si pire, là. C'est pas mon jeu préféré non plus, mais c'est correct, là. Hey, merci pour le lurk, Mr. Bro. Bonne journée à toi. Fait que, Ghana Matcha Truffle. Je vais aller chercher ça. Il y a quelqu'un qui vient juste de me payer un snack. Fait que, merci encore pour le raid, Richard. Puis, je reviens. Laissez-moi une minute. Ça sera pas bien long. Espèce de groupie. Oh, un petit chien! Oh, j'aime tellement la façon que Link prend les dogos dans ce jeu-là, là. T'as un chips gousset seulement 34 rubis. Comme t'as un ami et que j'aime ta bouille, ça sera 29 rubis. Oh, lui qui connaît comment vendre ses trucs. Oui, il est tellement beau. J'aime ça. À toutes les fois qu'il le prend, j'ai juste envie de courir puis de le garder genre avec moi pour le restant de ma vie. C'est comme je veux faire le reste de l'aventure avec un chien sur mes épaules. Oh. Pour ça, je vous ai fait voter. Malgré que si vous auriez choisi ça, ça m'aurait pas trop dérangé, mais... Tabarnak! Sérieusement, là? Donc, vous parlez peut-être français où ce que vous êtes, là? Je suis vraiment pas au courant, en fait, là. Hi! Calisse! Va chier. Celle-là, elle m'a fait un saut. Je suis désolée, madame. Je suis désolée d'avoir pris votre précieux. La technique du pêcheur, 6e partie. Il aurait pu mourir, lui, dans le 5 ans qu'on était pas là. Non, hein. Fallait qu'il vienne nous faire chier avec ses poissons. Hello, Angel. T'arrives juste à temps pour le snack. Y a quelqu'un qui me l'a payé juste avant le raid à Richard. Fait que tu le manqueras pas.
Fait que c'est ça que t'as choisi, Punky. Ça a l'air bon pour vrai. C'est des truffes de chocolat. Chocolat au matcha ou thé vert. Moi, j'aime bien ça. Fait que je vais lire la petite description. Ça a l'air super chic en plus comme boîte. Ghana Matcha Truffle. Take a break from the Sakura festivities to indulge in another Japanese tradition, matcha green tea. Several three distinct layers, a milk chocolate center, a gyokuro green tea coating, and a dusting of matcha powder. Fait que on va voir si c'est bon. J'avais eu genre deux boîtes de truffes dans cette boîte-là. Un que c'était des truffes comme standard, puis ça c'est au matcha. Là, faut que je trouve comment ouvrir la boîte. Ça vient dans un petit sac. Oh wow! Les emballages me fascinent à quel point ils font l'ouverture. Là. Genre, t'as un truc à tirer, puis ça fait une espèce de demi-cercle à l'intérieur. Là. C'est bien pensé.